Rentre dans ta cellule, détenu. Vous êtes fou. Vous pourriez me faire mal au ventre. Je m'en fiche, ok? Oh là là. Wow. C'est ma cellule. Je peux pas le croire. C'est trop cool. Bien sûr que non. Ok. Eh bien, le lit d'à côté ne semble pas trop mal. Je peux rester ici? Pas question. Dans ta cellule. On dirait qu'Ivy a le lit le plus dégoûtant. Ah, c'est vrai, parce qu'elle est pauvre. Oh mec, c'est tellement triste. Regarde juste ce matelas. La couverture est toute déchirée aussi. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Une fille riche. Elle veut aussi une cellule de luxe. Elle est loin de se douter que ce petit coin royal n'est pas pour elle. Là, ta place est ici, détenue. Grace doit aussi faire face à la réalité. Ah, eh bien, ce n'est pas le meilleur lit, mais je peux faire avec, non? Mais qu'est-ce que c'est? Un tapis rouge? Pourquoi faire? C'est qui? Wow! Mettons des paillettes et des trucs brillants sur le tapis rouge. Ce sont des diamants sur le tapis rouge? Mais c'est pour qui? Que diable se passe-t-il ici? Qui est-elle? Oh, c'est une fille giga riche. Elle est venue dans sa cellule de giga riche. Eh bien, la chambre n'est pas la meilleure. Ok, c'est l'heure de mon repos de beauté. Bon sang. Pourquoi j'ai pas eu une entrée aussi chic, hein? C'est fou. Officier, dépêchez-vous, je peux plus me retenir. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Laissez-moi aller aux toilettes, j'ai vraiment besoin de faire pipi. Oh, bien sûr que je suis bête. Attendez une seconde. Quoi? J'ai besoin d'utiliser les toilettes aussi. Où est-ce qu'ils vont? Je veux aussi aller aux toilettes. On dirait que toutes les détenues veulent vraiment aller aux toilettes en même temps. Une seule à la fois, c'est compris. Prenez mon argent. Oh, ok. Ouais, c'est bon, j'ai changé d'avis. Vous pouvez aller aux toilettes d'abord. On dirait qu'Avery va devoir attendre son tour. Merci, monsieur. Comment oses-tu? Officier, vous voyez cet or? Faites-moi sortir d'ici. Je vais me faire pipi dessus d'une minute à l'autre. Est-ce qu'elles essaient de corrompre l'officier? Voilà, détenue, dépêche-toi. Oh mon Dieu, ces toilettes ont l'air terribles. Est-ce que c'est un hamster? Vous vous moquez de moi? C'est des toilettes pour les pauvres. Je suis giga riche. Prenez plus d'or, mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'autres toilettes. On dirait que ce n'est pas les seules toilettes. Voyons voir si les prochaines seront à la hauteur des standards d'Avery. Waouh, des toilettes en or! J'adore! Dépêchez-vous! Waouh! Merci beaucoup, officier! Voyons voir quel genre de toilette Grace va avoir. Oups, c'est vraiment dégoûtant. Wow, ça sent mauvais! Dans ce cas, j'ai besoin de voir du cash. Ce n'est peut-être pas l'or d'un giga riche, mais ça devrait suffire pour que Grace ait de nouvelles toilettes. Suivez-moi! Oh! Officier, fermez la porte! Oh mon Dieu, c'était gênant. Apparemment, l'officier a oublié qu'Avery utilisait les toilettes. Voici d'autres toilettes pour vous, détenus. Eh bien, c'est pas mal non plus. Ça sent bon ici. D'accord, j'aime bien cet endroit. Phew, quelle journée stressante, hein? Et la dernière? Évidemment, elle ne pourra pas se permettre d'utiliser des toilettes de luxe. Tenez, prenez ça. C'est toutes mes économies. Quoi? Un seul penny? Oh, peu importe. Allez, vas-y. Yay! Oh, on dirait qu'Ivy a le droit d'utiliser les toilettes qui puent. Tant qu'elle peut les utiliser, je suppose que c'est bon. Merci, officier. Eh bien, Ivy est reconnaissante même pour ses mauvaises toilettes puantes. Je suis contente que toutes les filles soient arrivées à temps. Oh, c'est l'heure de dîner. Voyons ce qu'elles vont manger pour le dîner. Voilà, mademoiselle. Ce sont des pâtes avec des diamants. Waouh! Et Grace aura une salade avec de l'argent. Oh, mais qu'est-ce que la pauvre Ivy va avoir? Oh, la nourriture. La pauvre Ivy n'aura que des haricots en conserve. Mais elle est heureuse de ça. Merci beaucoup, monsieur. Miam, c'est délicieux. Après ce bon repas, nous allons les mettre pour que mon bébé puisse écouter de la bonne musique. Voyons si le bébé aime ça. Oh mince, le bébé n'aime pas du tout la musique. Il donne tellement de coups de pied. Aouh! Oh mon Dieu, je dois penser à autre chose. Je ne veux pas que ma petite fille me donne un coup de pied comme ça. Officier, venez ici, j'ai besoin de vraie musique. L'officier fera tout pour plaire à Avery et gagner son argent. Oh, je pense que nous avons la même situation ici aussi. Oh là là, tout le groupe est là maintenant. Mettez de la bonne musique.
Wow, c'était un super repas. Je me sens enfin rassasiée. Oh, c'est quoi tout ça? Un après-midi musical pour le bébé? D'après ce que je peux entendre, c'est plutôt un après-midi stressant pour les bébés. Voyons quel genre d'après-midi musical Ivy va organiser pour son bébé. Je suis sûre que je peux trouver quelque chose avec ces boîtes de conserve. Je vais les utiliser toutes les deux. Je vais passer de la ficelle dans les trous au fond des boîtes. Je dois m'assurer que le nœud est bien serré. Maintenant, une boîte va sur mon ventre pour que mon petit bébé puisse entendre la musique. Et une autre boîte va vers moi. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Ouch! Oh, ce coup de pied sauvage! Oh, regarde, comment c'est possible? La pauvre va très bien! Son chant et son gadget fonctionnent! S'il te plaît, vends-nous ce truc! Wow, les filles sont prêtes à donner n'importe quoi pour ce gadget! Ivy chante si bien! Sa voix est comme un rayon de soleil après un jour de pluie! Et les bébés adorent ça! Regarde ça! Tout le monde est heureux et calme! Oh, voilà le docteur qui arrive pour examiner les bébés! Vous pouvez d'abord vérifier comment va mon bébé, mais je vous donnerai une pièce. Il semble que toutes les filles vont offrir tout leur argent pour que le docteur examine leur bébé. J'ai une suggestion à vous faire. Jetez un coup d'œil à ça. Regardez cette valise pleine d'or. Eh bien, c'est clair où le docteur ira en premier. Allons voir le bébé. Oh, c'est un beau bébé en bonne santé. Félicitations. Le bébé est heureux de nager dans l'or. Yay! Mon bébé se porte bien là-dedans! Voyons comment va le bébé de Grace. Vérifions votre ventre. Regarde ça! Le bébé riche est couvert d'argent. Je suis impatiente d'avoir mon bébé dans les bras. Merci, docteur. Pas de problème. Bye bye! S'il vous plaît, docteur, j'ai vraiment besoin de savoir si mon bébé va bien. C'est tout ce que j'ai, mais je parie que c'est suffisant. Ce n'est pas assez d'argent. Vous êtes trop pauvre, mademoiselle. Je ne peux pas. Mais, s'il vous plaît, c'est tout l'argent que j'ai. Oh, très bien, mais pour cette somme, je vais examiner votre bébé à l'ancienne. Voyons comment le bébé se porte avec cette technologie bon marché. Mon magnifique bébé en bonne santé. Le bébé pauvre est couché dans une poubelle. Tous les bébés vont bien. Bonne nouvelle. Un autre jour au magasin. Waouh, c'est une belle poussette. Je parie qu'elle est très chère. Tout est recouvert d'or et de diamants. Waouh! Je vais l'acheter. Et voilà! Oh, non, non, mademoiselle, je suis vraiment désolée, mais cette magnifique poussette est déjà vendue. Waouh, quelle belle poussette! Cette poussette est déjà vendue. Maintenant, la riche n'aura même pas la chance d'avoir la poussette parce que la giga riche offrira plus d'argent. Je ne comprends pas comment expliquer autrement à cette dame qui crie. Excusez-moi, j'ai besoin de quelque chose pour mon bébé. Voici une pièce. Voici ce que je peux vous offrir de mieux. Oh là là! C'est ma poussette! Je l'ai vue en premier! Oh mince! Ça suffit! Garde! Emmenez-la! Elle essaye de prendre ma poussette! Allez dans votre cellule, maintenant! Avri a le pouvoir de toujours avoir ce qu'elle veut grâce à tout son argent. Prenez votre panneau, j'en ai pas besoin parce que la poussette doit être à moi! Ouais, compris? Qu'est-ce qui se passe avec les clients de nos jours? Waouh, c'est pas mignon, ça? Une poussette avec de l'argent? Incroyable! Je la veux! Voilà! Ok, prenez juste la poussette et partez, s'il vous plaît! Eh bien, ce n'est pas un mauvais profit! Oh, voici une femme de ménage! Je crois avoir entendu dire que cette femme de ménage est folle des femmes enceintes et de leur ventre! Elle veut toujours les toucher! Oh mon Dieu! C'est la plus belle chose dans la vie d'une femme! Hey, petit ventre! Hey, petit ventre! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Que fait cette femme? Ce ventre est si mignon! Excusez-moi, madame! Enlevez vos mains de mon ventre! Ne faites pas attention à moi, mademoiselle, j'ai juste besoin de nettoyer votre ventre! Et oh! Allez-vous-en, espèce de folle! Tenez, prenez l'argent, allez-vous-en! Oh, de l'argent, c'est si gentil, merci! Mais j'aurais pu nettoyer sans être payée! Partez! S'il vous plaît, allez-vous-en! Waouh, regardez-moi ça! Ivy, tu ferais mieux de cacher ton ventre parce que tu n'auras pas assez d'argent pour te débarrasser de cette femme folle de ventre. Il ne me reste qu'une pièce. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, un cactus. Je pense que je pourrais avoir une idée.
Oh oh, Avery ne sait même pas à qui elle va bientôt avoir affaire. Un autre ventre! Qu'est-ce qui se passe ici? Votre ventre est vraiment mignon, madame! Ah! Officier! Bien sûr, l'officier va toujours sauver Avery de ce genre de situation. Je vous ordonne de laisser cette détenue enceinte tranquille! Vous avez compris? Wow! Laisse-moi partir, je dois travailler! Qu'est-ce qui va pas avec elle? Il y a toujours des problèmes ici! On dirait que notre folle femme de ménage est calme maintenant. Mais qui sait pour combien de temps? Il reste un ventre qu'elle n'a pas encore touché. Oh, je suis juste en train de nettoyer ici. Ne vous occupez pas de moi. Oui, presque, presque. Oh, oh! Le plan du cactus d'Ivy a bien fonctionné comme protection contre cette folle de ventre. Il est temps d'aller chercher quelque chose à manger. Voyons ce que la cafétéria de la prison propose aux filles. Waouh, Avery a droit à de délicieuses pâtes à l'argent et au homard. Quant à Grace, elle a droit à un steak saupoudré d'or. Et pour Ivy, des nouilles instantanées? Elles ne sont même pas cuites. Regarde-la. Voici un peu d'argent pour toi. Je pense que j'aimerais avoir quelque chose de sucré sur mon steak. Oui, bien sûr, je vais saupoudrer un peu de douceur sur votre repas, madame. Des Skittles sur un steak? Délicieux. Waouh, les femmes enceintes ont des envies de nourriture vraiment bizarres, non? Oh mon Dieu, elle a eu ça! Je veux quelque chose de sucré aussi! Monsieur l'agent! Tout cet argent est à vous si vous me trouvez quelque chose de sucré aussi! Quelque chose de plus gros! Oh, ok, je sais! Et pourquoi pas du Nutella et de la crème fouettée? Je parie que ce sera bon, hein? J'adore ces choses! Qui n'aime pas ces choses? Et maintenant, mettez beaucoup de crème fouettée! Il est temps d'améliorer ses pâtes au homard avec des tonnes de Nutella et de crème fouettée. Ok! Prenez votre argent et laissez-moi manger! Waouh! Quelle bouchée! Faisons un essai! Je suis tellement excitée! Avery semble apprécier son repas. Oh, pauvre Ivy avec ses nouilles! L'officier ne pouvait-il pas au moins ajouter un petit peu d'eau chaude? Ses nouilles pas cuites sont dures à mâcher. Monsieur le chef, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de cette eau, je vous en supplie! Il semblerait que le chef faisait bouillir des œufs là. Mais l'eau est toujours chaude et toujours bonne à utiliser, non? Bien joué, Ivy! Ça a l'air délicieux! Quoi? Où a-t-elle trouvé ses nouilles? Elles sentent si bon! S'il te plaît, donne-moi tes nouilles, je te paye! Je te payerai plus! Eh bien, regardez comme les choses ont changé. Parfois, plus c'est simple, mieux c'est. Eh bien, bonjour, bonjour! Qui veut faire une petite fête pour révéler le sexe du bébé? Enfin! Moi, je le veux vraiment! Wow, c'est beaucoup d'argent! Et laissez-moi vous trouver une épingle pointue. Et voilà! Oh mon Dieu! Je suis tellement excitée de voir si Grace va avoir un garçon ou une fille! Ok, je suis prête! Fais-le! Wow! C'est une fille! Oh! Je vais avoir une fille! Félicitations, Grace! Je suis tellement heureuse pour toi! Assez de ces cris! C'est mon tour maintenant! Ici, Doc! Donnez-moi ce ballon! Je meurs d'envie de savoir si c'est un garçon ou une fille! Vous êtes prêts, les gars? Wow! Avery va avoir un petit garçon! Un giga riche petit garçon en route! Félicitations, Avery! Tu vas avoir un petit prince! N'est-ce pas incroyable? Qu'est-ce qui ne va pas? Il semble qu'Avery voulait une fille. Mais tout l'or du monde ne peut pas changer le sexe de son bébé. Mais le docteur peut changer le ballon. Ce sera une fille à la place. Yay! Je peux encore essayer! Faisons éclater le ballon! Phew! Au moins celui-là était rose. Félicitations, Avery! Oh mon Dieu, oui! C'est une petite fille! Yeah, je suis tellement heureuse pour toi! Mon tour! C'est enfin mon tour! Bien sûr, le docteur a besoin de quelque chose qu'il peut compter. Je n'ai qu'un centime! Hein? Ce minuscule penny? Pas de ballon pour vous, mademoiselle! C'est tellement triste! Je voulais vraiment éclater un ballon aussi! Oh, des tétines bleues et roses! Attends une seconde! Et si je pouvais faire une révélation de sexe avec ça? Je sais! Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce fromage? Ah, je vois!
Ok, monsieur petit hamster. Ta tâche est de me montrer lequel se trouve dans mon ventre. Quel que soit le fromage que tu choisis, c'est ma réponse. Tu as compris les règles? Vas-y! Il semble que le hamster ait rapidement choisi le morceau de fromage devant la sucette bleue. Ivy va avoir un garçon! Waouh, je ne pourrais pas être plus heureuse! Oh, je peux plus faire ça! Est-ce que c'est vraiment le moment? Les filles sont en train d'accoucher! Oh mon Dieu, j'en peux plus! Que quelqu'un aide ces filles! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu, mesdames! Oh non, ce n'est pas le moment pour l'officier de perdre la tête! Vous feriez mieux d'appeler le docteur, monsieur l'officier! Oh, enfin, l'officier a été assez intelligent pour trouver un médecin! Ok, mademoiselle, commençons à pousser! Et s'il vous plaît, venez ici! Oh là là, j'ai besoin d'argent! On dirait que le docteur se fait soudoyer! Quoi? C'est pas normal! De l'or! J'ai de l'or! Évidemment, les gigariches peuvent offrir plus! Ouais! Je te donnerai plus d'argent! Wow, c'est beaucoup d'argent! Donnez-moi ça! Oh oh, Avery semble furieuse maintenant! Wow, une brouette pleine d'argent, d'or et de diamants! Le docteur ne dira pas non à l'or! Ok, respirez avec moi! Inspirez, expirez! Maintenant, préparez-vous à pousser! Vous pouvez le faire! Oh, presque! Ce bébé est en or? Dépêchez-vous, docteur! Deux autres femmes sont en train d'accoucher aussi! Je suis une giga riche maman maintenant! Aidez-moi! Faites que sa douleur s'arrête! Félicitations! Ouais! Et son bébé est enveloppé dans tant d'argent! Bon travail, docteur, mais ce n'est pas encore fini! Il reste encore un bébé à mettre au monde! Quoi? Est-ce qu'Ivy a réussi à mettre au monde son bébé elle-même? Parfait! Je dois partir! L'or ne sortira pas tout seul d'ici! Félicitations, les mamans! Après une longue journée, toutes les mamans dorment un peu. Les bébés ont dû les fatiguer. Oh, vous voyez ça? On dirait un voleur. Volons tes bébés! Oh non! La rançon est $1 million pour le bébé d'Avery! Grace, la maman riche, devra payer $10 000 si elle veut revoir son bébé. Et pour Ivy? $100? Mon travail est terminé ici. Maintenant, je vais attendre un peu d'argent. Oh là là, quel méchant voleur il est! Regarde, Ivy se réveille! Oh mon Dieu! Mon bébé! Toutes les mamans sont réveillées! Seulement pour découvrir que leurs bébés sont partis! Impossible, mon bébé! Où est ma petite princesse? Vous feriez mieux de payer cette rançon, mesdames! Prenez mon or, prenez mon argent! 100! Mais je n'ai pas $100! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais récupérer mon petit garçon? Attends une seconde. Je crois que je sais ce que je dois faire. On dirait qu'elle a trouvé une solution. Oh, regardez! Voici le kidnappeur lui-même avec tous les bébés dans ses bras! Ah! Mon bébé! Rends-la-moi, espèce de monstre! Prends ce million et tout mon or! Rends-moi juste ma princesse! Oh mon Dieu, mon petit bébé! Prenez mon argent et rendez-moi mon bébé! Enfin, ce cauchemar est terminé. Le bébé d'abord! Non, non, l'argent d'abord! Faisons l'échange en même temps, ok? J'ai le sentiment qu'Ivy a une sorte de plan. Wow, regarde! Elle essaye d'attraper le voleur avec juste des menottes en carton? Police! Laisse-moi partir! Ah! Les jours de kidnapping de ce voleur sont terminés! Qu'est-ce qui se passe ici? Il a volé nos bébés! Oh là là! Reviens ici, espèce de monstre! Tu es en état d'arrestation! C'est ce que tu obtiens quand tu t'en prends aux mamans féroces! Compris? Hé! C'était quoi ce bruit? C'est un éclair? Oh non, j'ai tellement peur! Mais attends, j'ai une idée! Je sais, prenons ma brosse! Tiens, je vais utiliser cette eau de pluie pour me laver les dents! Je suis si intelligent! Attends, c'est quoi cette odeur? Oh, c'est moi! Je sais! Je peux utiliser mon bain pour me nettoyer! Attendons une minute qu'il se remplisse! C'est si bon! Une merveilleuse douche! Maintenant, je vais être propre! Ici, mademoiselle, venez ici! Laissez-moi vous enlever vos menottes! Entrez, je vous en prie! On dirait que le bain de la femme riche sera une expérience totalement différente! Attendez un instant! Prenez cette mousse dorée spéciale! Laissez-moi vous en verser! Un instant, je dois encore vérifier la température!
Une femme riche ne peut que se baigner dans un bain à la température parfaite. Oui, c'est parfait. Merci. Et maintenant, le masque. Merci, c'est génial. N'oublions pas les yeux en diamant. Oh oui! Voyons comment va votre bébé. Oh là là, je ne peux pas attendre. Dites-le-moi maintenant. Ok, tenez la boule de cristal, s'il vous plaît. Ok. Oh, regardez, c'est une fille. Elle va... Ah, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'ai très faim. Maintenant, je sens que j'ai faim. Tenez, prenez ce sandwich. Oh, merci. C'est bon. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Bonjour, on va examiner votre bébé par échographie. Oh, je vous en prie, j'ai tellement peur, non! Tenez, prenez ce papier doré pour vous calmer. Oh, super, ça va beaucoup mieux maintenant. Ok, vous êtes prête? C'est parti! Voyons voir. Telle mère, telle fille. C'est une fille! Et elle joue avec son or. Oh non, ma tour! On dirait que le docteur a appuyé un peu trop fort sur le ventre. Pardonnez-moi. Tiens, prends mon or. Bon, d'accord. Cool, elle vous a donné de l'or. Quel riche bébé. Oh, regardez-le, j'en ai assez. Incroyable. Je quitte mon travail alors. Allez vous faire voir. Vous tous, je pars en voyage. Ouais, peu importe. J'apporte de la nourriture. Donnez-moi à manger, j'ai tellement faim. Reculez, prisonnier, ou je vais vous montrer. Mais s'il vous plaît, juste un tout petit peu, s'il vous plaît. Je suis enceinte. Bon, d'accord. Prenez ça. Et vous pouvez prendre ça et ça et ça. Qu'est-ce que la pauvre fille va pouvoir faire avec tous ces ingrédients étranges? N'oublions surtout pas ce vieux lait. Et il est très vieux. Bye. Je vais mourir de faim. Ok, je sais. Je peux utiliser ce wrap, cette vieille bouillie, du poisson, de la moutarde et de la crème. Parfait! On enroule tout ça. C'est un vrai sushi. Goûtons-le. Oh oui, c'est super bon. Oh mon Dieu, c'est trop dégoûtant. Je vais vomir. Eh bien, chacun ses goûts. Yeah. Voyons ce qui se passe à la cafétéria aujourd'hui. J'ai préparé quelque chose de spécial qui va toutes vous faire vomir. Régalez-vous bien. Ça a l'air dégoûtant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va vraiment me faire vomir. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est de la nourriture spéciale pour les prisonniers. Non, garde. Tenez, prenez cet argent et arrangez-moi ça. Vite. Hé, hey, c'était à moi. Eh oh, nous avons quelque chose de bon pour vous toutes. Profitez-en. Eh bien, ça c'est romantique. Et plus encore, ça va être délicieux. Oh mon Dieu, c'est des sushis. J'ai du gâteau. Yay! Des légumes. Une pizza. Tellement ennuyeux. Donnez-moi ça. Mettons tout ensemble. Les femmes enceintes deviennent vraiment folles lorsqu'elles ont faim. Oui, comme ça. Eww, c'est dégoûtant. Miam, c'est délicieux. Oh mon Dieu, je vais vomir. Eww. Ok, je lâche la fléchette. Oh, vous! Vous avez failli me tuer! Vous allez payer pour ça! Écoutez, les fléchettes ne sont pas autorisées ici. Gardez-les, mais ne recommencez pas! Oh, je suis désolée! Ok, essayons encore une fois. Quelle façon créative de révéler le sexe du bébé! Oh, super! C'est une fille! C'est génial! Hey, mes yeux sont fermés! Je l'enlève. C'est un cadeau? Pour moi? Oh oui, c'est tellement excitant! Voyons voir ce qu'il y a dedans. Des ballons? C'est nul! Tenez, prenez cette aiguille pour l'éclater et découvrir le sexe de votre bébé. Ok, voyons voir. Un, deux, pouf! Oh wow! Il pleut des paillettes roses! C'est une fille! Yay! Mon Dieu, je ne peux pas dormir. C'est épuisant. Calme-toi, bébé. S'endormir est si ennuyeux. Pourquoi devons-nous le faire? Tu veux écouter des contes de fées? Je vais t'en lire. Oh non, ils sont aussi ennuyeux que de dormir.
D'accord, peut-être que je peux chanter pour toi? Je peux utiliser mes barreaux pour jouer pour toi, mon bébé. Écoute! Oh, je me sens très fatiguée. Cette musique est vraiment... Waouh! Cette magnifique musique les a toutes les deux endormies en un rien de temps. Oh, j'ai mal au ventre. Je ne peux pas dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de jouer. S'il vous plaît, à l'aide! Que s'est-il passé? Mon bébé fait des folies. Elle n'arrive pas à se calmer. Tenez, essayez ça. Un bain de pied relaxant. Et que dites-vous d'un peu d'encens? Je vais mourir à cause de cette odeur. Des tambours? Oh! S'il vous plaît, arrêtez! C'est trop nul! Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout essayé! Hé, hey, regardez! Des instruments! Officier, réveillez-vous! Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée! J'ai besoin de votre aide! Tenez, prenez cet argent! Ok, à 1, 2, 3, go! Oh bébé, dors bébé, c'est le moment de reposer. Cette musique est horrible. Mais on dirait que ça fonctionne. Continuez de chanter. Oh bébé, dors bébé, c'est le moment de reposer. Ok, de quoi avons-nous besoin pour les fournitures? J'ai déjà une grenouillère. Et les couches? Ok, j'ai un plan. Regarde, le concierge arrive. Ok, je dois sortir vos poubelles. Oh non! Regardez, les ordures s'échappent. Vous êtes sérieuse? Donnez-moi ça. Je déteste mon travail parfois. Je dois être rapide et prendre ces sacs poubelles. Ça me sera vraiment utile. Ces gens n'ont aucun respect pour nous. Fabriquons les meilleures couches du monde. C'est parti. Regardez-moi ça. Incroyable! Jetons un coup d'œil à notre liste. Oh non! Je n'ai pas tout sur moi! Il manque du talc! Non! Rentrons ces boîtes à l'intérieur. Oui, les gars, placez les boîtes par ici. Merci. Oh, c'est lourd! Voici votre paiement. Je vous remercie, ça en vaut toujours la peine. Attendez une seconde, ça ne suffit pas. Attendez! Il manque quelque chose. Oups, j'ai oublié. Où sont les couches? Bon, j'y vais. Expliquez-moi comment je suis censée élever un enfant sans couches. Eh bien, les couches? Ok. Oui, j'ai besoin de couches. Oui, tout de suite. Super, elles sont là. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du premier prix? Erk, non merci. Tenez, prenez cet argent et arrangez-moi ça. De l'argent? Des couches? Ok, laissez-moi fabriquer quelque chose de cool avec ça. Tenez, des couches dorées. Avec de l'argent à l'intérieur. Elles sont imperméables. Prenez-les. Oh mon Dieu! C'est génial! Je vais les prendre! La méditation est la clé de la bonne santé de votre esprit. Bon, assez fait. Je veux faire du kung-fu. C'est parti, baby! Voilà! Je l'ai eu. Une mouche? Maintenant, elle est morte. Regardez-la! Elle est si effrayante! Je m'en vais! Ok, à quel tour? Amenez-vous! Charlotte a envie de se battre. Elle tuera tous les insectes de sa cellule. Mourez, les mouches! Mourez, les insectes! Hé, hey, une souris! Je vais t'attraper! Ah, oh, elle s'est enfuie! Ok, je suis fatiguée maintenant. Je pense que je vais m'allonger une seconde. Ok, je suis forte! Je peux le faire! Non, je ne peux pas, c'est trop fatigant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? Rien du tout. Vous mangez un beignet? Espèce de salaud! Maintenant, je suis très en colère. Quel genre d'entraîneur êtes-vous? Pauvre garde du corps, que va-t-il lui arriver maintenant? 1, 2, 1, 2. Continue, mon garçon, continue. À présent, le garde du corps fait du sport à sa place. C'est qui le meilleur entraîneur? C'est moi! Mais qu'est-ce que c'est? C'est impardonnable! J'ai besoin d'appeler quelqu'un! Allô? Oui, j'ai besoin d'une paire de chaussures spéciales pour mon bébé! Maintenant! Entrez, dépêchez-vous! Et voici le consultant d'un magasin de chaussures. Quel style désirez-vous, madame? Je vous recommande ce look. Ce sont nos plus belles pièces. Non, non, non!
non, j'ai dit que j'avais besoin de quelque chose de spécial. Réfléchissez, vous m'entendez? J'ai une idée. Prenons de l'or fondu et utilisons ça pour les chaussures du bébé. Maintenant, elles seront fabuleuses et ne ressembleront à rien d'autre qu'une fille riche n'ait jamais vue. Et pour la touche finale, ils ajoutent quelques diamants. Espérons qu'elles lui plairont. Qu'est-ce qui vous prend si longtemps? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures dorées avec des diamants? Waouh! C'est génial! Je les aime tellement! Maintenant, ces chaussures sont vraiment spéciales. La pauvre famille vérifie la liste pour voir s'il ne manque rien. Pantalon, check. Chaussures de bébé, quoi? Oh non, on dirait que les chaussures de bébé ont disparu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ne t'inquiète pas, regardons le catalogue. J'aime bien celle-là. 80$? Non, nous n'avons pas autant d'argent. 100? Non. Oh, regarde, c'est une paire de chaussures pour 1$. Donne-moi la tirelire, chérie. Il est temps de dépenser cet argent économisé depuis longtemps. C'est excitant. Waouh, c'est cassé. Maintenant, comptons l'argent. 10, 20. Oh, j'ai trop hâte, je ne peux pas attendre. Oh non, il nous manque 1 centime. La pauvre Chloé est vraiment bouleversée en ce moment. Mais attends, je crois que j'ai une idée. Il vaudrait mieux que ce soit une bonne idée, Anthony. Je suis de retour. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce sont des chaussures faites avec des sacs poubelles. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Qui a besoin d'argent quand on a un mari aussi créatif? Waouh, la fille riche se détend avec quelques snacks. On dirait que Madison n'a pas pris de bain depuis très longtemps. Wow, c'est quoi cette odeur? Ça suffit, tu dois aller prendre un bain. Non, je n'en ai pas envie. Je veux rester allongée ici et manger mes chips. Allez-vous-en! Ce ne sera pas si facile. Mais on dirait que Joshua a une idée. Ça va certainement marcher sur elle. De l'or! Joshua utilise un lingot d'or comme appât pour la fille riche. Ça marche! Elle le suit! Viens ici! Juste un peu plus près. Quoi? Un bain? Tu ne me feras pas marcher, mon cher! Non, tu restes là! Une boule d'or? Waouh! Tellement de bulles! L'eau en est recouverte! On dirait que Madison a finalement changé d'avis. Maintenant, cette baignoire est assez chic pour que Sa Majesté s'y assoie. C'est tellement agréable! Oh, garde! Oui, madame? Je veux de la nourriture! Maintenant! De la nourriture? Ok. J'ai des sneakers. Quoi? Je veux quelque chose de plus sérieux! Ok, j'ai compris. Le garde du corps est un peu stressé. Tenez, vous voulez de la pizza? Oh, une petite pizza? Vous vous moquez de moi? Non! J'ai dit que je voulais de la vraie nourriture! Oh! Eh bien, elle peut vraiment faire peur. Pauvre garde du corps. Et que diriez-vous de délicieux sushis? Quoi? Des sushis? Alors, je ne veux pas de ça! Éloignez ça de moi! Utilisez votre tête! Réfléchissez! Ok, que diriez-vous de quelque chose de sucré? Du Nutella et de la crème fouettée? Oh, de la crème fouettée! On dirait que Madison a finalement réalisé ce que sont ses envies. Elle va tout mélanger ensemble et en faire une énorme pizza bizarre. Et pour finir, de la crème fouettée. Ça a l'air tellement bon! Essayons-la! C'est bon! Oh non, je crois que je vais vomir. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Les femmes enceintes doivent souvent aller voir un médecin. Bonjour, comment va ma cliente préférée? Oh docteur, j'ai tellement peur. Il fait très chaud ici. Quoi? Ok, je vois que vous êtes très stressée. Tenez, prenez un peu de glace pour vous rafraîchir. Maintenant, il fait si froid. Voyons maintenant comment va le bébé. Waouh, regardez ça. Même le bébé est pris dans le froid de toute cette glace. Oups, que dois-je faire? Quoi? Que va faire le docteur avec ce lance-flammes? Oh non! Au secours! Le bébé est en feu! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quoi faire! On dirait que son garde du corps est venu l'aider et il a apporté un lingot d'or avec lui. Waouh! Il suffit de mettre de l'or sur le ventre de la fille riche. Maintenant, elle se sent beaucoup mieux. Regardez! Et le bébé est heureux aussi. Elle danse au milieu de l'or. Ouf! Ce garde du corps connaît vraiment très bien sa patronne. Bonjour! Comment puis-je vous aider? Je suis venue voir comment va mon bébé. Désolée, madame, mais vous devez payer la visite. Oh non! Bon, voyons voir. Je peux peut-être trouver quelque chose. Ah, j'ai trouvé 1 centime! Et un autre! 2 centimes en tout! Et voilà! 2 centimes? C'est une blague pour vous? Ce n'est pas assez! Pauvre Chloé! Mais on dirait qu'il lui reste encore un peu d'argent de côté. Donnez-moi ça! Ok, on y arrive petit à petit. Mais il m'en faut plus! Oh,
Oh, je sais. Je crois que j'ai quelque chose dans le nez. Laissez-moi sortir ça. Non, arrêtez. C'est bon. Arrêtez de vous curer le nez. C'est dégoûtant. Oh, eh bien, comme vous voulez. Oh, j'ai tellement hâte de voir mon bébé. Vous voulez voir votre bébé? D'accord, je vais vous le montrer. Yay! Je suis tellement heureuse. J'ai hâte. Et voilà. C'est votre bébé. Quoi? Vous obtenez ce pour quoi vous payez. Maintenant, partez. Au revoir. Au moins, elle sait que le bébé est en bonne santé. Madison essaie de dormir. Mais on dirait que le bébé donne des coups de pied trop fort. Oh, c'est quoi ce bruit? Ne crie pas! C'est le bébé! Quoi? Aïe! Le bébé vient de me donner un coup de pied dans l'œil! Oh non, c'est grave! Oh non! Oh non, regarde mon œil! Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Oh! Eh bien, le bébé fait une fête! Regardez ses pas de danse! Quand est-ce que ça va finir? Oh, j'ai une idée! Qu'est-ce que Joshua a l'intention de faire? Regardez! Il a apporté des lingots d'or avec lui! Maintenant, on peut parler! Cela va certainement la calmer! Waouh! Tu es un génie! Maintenant, le bébé a déjà sommeil! On dirait qu'elle va s'endormir tranquillement pendant un moment! Bonne nouvelle pour ses riches parents! Dormir pendant la grossesse est une expérience totalement différente! Oh! Je n'arrive pas à dormir! Anthony, réveille-toi! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le bébé! Il se comporte comme un fou! Écoute ce qu'il fait là-dedans! Quoi? Quel est ce bruit? Oh, je sais! Une tasse pour le ventre et l'autre pour toi! Maintenant, tu peux entendre ce qui se passe là-dedans! Quoi? Oh là là! Le bébé crie comme un chanteur de métal! Quel enfant intéressant! Oh non! C'est trop de bruit pour Chloé! Je sais! Un chewing-gum à la menthe? Aide-moi, Anthony! Attends! Attends! Tiens, prends ça! Maintenant, envoyons au bébé un peu d'air frais et mentholé pour qu'il se détende! Waouh! Le bébé est maintenant calme! Mais maintenant, j'ai froid! J'ai froid! Tiens, prends une couverture! Super! Le bébé est enfin parfaitement heureux! Maintenant, Chloé peut dormir. Après tout cet épuisement, Anthony s'est tout de suite endormi lui aussi. Voyons ce que la pauvre fille fait avec ses envies de grossesse. Ce sont des ingrédients bizarres. Ah, ce sont des haricots en conserve. Génial, je vais en ajouter dans mon lait. Et un peu de Nutella. Et bien sûr, une bonne quantité de sauce chili. Miam! Maintenant, on mélange le tout. C'est bon, mais il manque quelque chose. Ah, je sais! Des sardines! Hé, c'est à moi! Eh bien, Anthony, laisse tomber! C'est dur de faire face à ces fringales. C'est tellement bon! Ah! Hé, Anthony, tu dois goûter ça! Oh non! Éloigne cette chose de moi! Oh! Super! La chambre est enfin propre! Je suis tellement heureuse! Waouh, chérie! La chambre est absolument superbe! Super boulot! Ah, merci! Oh, ça pue! Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est vraiment toi? Oh, c'est bien toi! Allez, viens! Il faut que tu prennes une douche! Viens ici! Maintenant, entre! Nous devons te laver correctement! C'est une douche plutôt intéressante! Ah, c'est froid! Trop froid! Mais vous n'avez pas besoin d'un bain de riche pour finir le taf. Tout ce qu'il faut, c'est une personne qui vous aime et qui prend soin de vous. Le ventre aussi. Ah, ça chatouille! Chloé a déjà l'air plus propre. Bon travail, Anthony. Madison organise une fête pour le bébé. Mais ses amis semblent aller un peu trop loin dans leur excitation. Les filles, j'ai besoin d'espace, ok? Ça rend Madison folle. Garde! Faites quelque chose contre ça! Éloignez-les de mon ventre! Bien sûr, madame, c'est facile. Je vais juste leur donner de l'argent. De l'argent? Je n'ai que faire de l'argent! J'en ai déjà plein, moi! Allez-vous-en! Je suppose que je n'ai pas d'autre choix! Le garde est de retour! Avec un masque à gaz? Quoi? Bon, maintenant, le garde du corps va certainement faire partir les amis. C'est du gaz somnifère! Est-ce que ça va marcher? Les filles ont déjà l'air endormies! Ça a marché! Yay! Bon travail!
Chloé organise une fête pour le bébé. Ses amis ne peuvent s'empêcher de toucher son ventre. Mais Chloé a une idée. Elle prend de l'aluminium pour la nourriture. Ah, regardez! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Anthony? Et que compte faire Chloé avec tout ce papier aluminium? Tout va bien, Anthony. Peut-être qu'il ne pouvait pas gérer toute cette excitation féminine, alors il avait besoin de se cacher. Mais regardez Chloé! Elle a fait une pointe avec du papier d'aluminium! Maintenant, utilisons le lance-flamme pour terminer ça. Waouh! Fais attention avec ça! Regardez, elle vient de faire plein de pics pour son ventre. Voyons si ça marche. Ok, nous sommes de retour. Aïe! Ça fait mal! Maintenant, Chloé peut profiter d'un peu de paix et de tranquillité. Ses amis ne toucheront pas son ventre pendant un certain temps. Maintenant, partez! La fille riche organise une énorme fête pour révéler le sexe de son bébé. Et voici son garde du corps. Il a un cadeau spécial pour Madison. Waouh! Ouvrons-le! Je me demande ce que c'est. C'est un bouton de révélation de sexe. On a tellement hâte. 1, 2, 3. Hein? Quoi? Rien ne se passe? Essayons encore une fois. Ok, 1, 2, 3. Oh non, quelque chose ne va pas. Oups, quelqu'un devrait vite faire quelque chose. Hey, psst. Maintenant, relâche-les maintenant! Oh, regardez! Ça marche! L'argent et les confettis tombent du plafond! Trop bien! C'est tellement amusant! C'est une fille! Une belle fille riche! Oh, c'est si difficile de faire de l'exercice avec ce ventre! Voilà Anthony qui arrive! Peut-être qu'il va lui remonter le moral! Regarde, j'ai une pignata de révélation de sexe! Oh oui! C'est si amusant! Mais attends, je devrais avoir les yeux bandés, non? Attends, et voilà! Une chaussette qui sent mauvais au lieu d'un bandana? Eh bien, au moins, ça fait l'affaire! Maintenant, donne-moi la batte! Tiens! Ok, c'est parti! Elle n'est pas prête d'y arriver! Ouais! C'est tellement amusant! Fais attention, Anthony! Oh non! Chloé va détruire toute sa chambre avant de toucher la piñata! Où est cette piñata? Est-ce que je l'ai déjà frappée? Pour finir, elle a réussi à toucher tout ce qu'il y avait dans la pièce, sauf la piñata! Oh non! Que s'est-il passé ici? Oh, regarde! Un morceau de papier rose! Alors c'est une fille! Youpi! Cette série devient ennuyeuse. Suivant! Oh! Oh mon Dieu, regardez tout ce désordre! Oh, il y a tellement de poussière! Le balai est juste là! Pourquoi ne nettoies-tu pas, Nounou? Ta question! Oh, je sais! Hein? Un masque? Je vois ce qui se passe ici. Nounou fait semblant d'être malade pour qu'Ellie fasse le ménage. C'est vraiment méchant, Nounou! Je ne ferai pas le ménage, c'est toi la nounou. J'ai mal à la tête. Oh, c'est bon. J'arrive pas à croire qu'Ellie va nettoyer tout ça. Oh, pauvre petite fille. Oh, je me sens si mal. J'ai besoin de plus de chips. Hein? Quoi, ne t'approche pas plus près. Tu pourrais attraper mon virus. C'est pas grave. Elle a failli t'avoir, nounou. Hein? C'est quoi ces miettes? Ah, t'es pas censé manger ces chips? Quoi? Je mange rien du tout! Tu n'es pas vraiment malade! Tu ne peux pas me tromper maintenant! Oh, c'est pas vrai! T'avais presque fini! Pourquoi t'as pas tout nettoyé? C'est toi qui as fait le plus de dégâts, alors c'est toi qui nettoie! Hein? Pourquoi se détend-elle encore sur le canapé? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, Ellie, pauvre petite fille! Hé, pousse-toi du chemin, là! Tu bloques la télé! Waouh, mauvaise nanny est une telle diva! Waouh, ce jeu est génial! Oh non, regarde tous ces jouets! Ellie, range tes jouets! C'est un tel désordre! Comment va-t-elle faire nettoyer, Ellie? Je sais exactement ce qu'il faut faire! Hein? Oh oh, nanny est en train de s'habiller! Ça signifie qu'il est temps d'être sérieux! Heureusement qu'il y a une boîte pour ranger tous les jouets! Mais il y a tellement de choses à nettoyer! Phew, je suis tellement fatiguée! Mais enfin, c'est fini! Nanny peut aller se détendre maintenant! Attends, que fait Ellie? Oh non, elle a encore éparpillé tous les jouets! Oh ouais, je l'ai trouvé! Je vais aller jouer maintenant! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout est encore en désordre? Tout ce désordre juste pour une petite balle? Comment Nanny va-t-elle nettoyer tout ça à nouveau? Elle est si fatiguée! Attends... Ce ballon de basket, ça donne une idée à Nounou! Super, il y a aussi un panier! Je sais comment la faire nettoyer! Faisons-en un jeu!
Un jeu? Mais comment ça marche? Viens ici, Ellie. On va tirer des jouets. Tu vois? Il suffit de les envoyer directement dans le panier. Ellie fait des tirs à 3 points. Et regarde, tous les jouets finissent dans la boîte. Quelle façon amusante de nettoyer. Mauvaise nounou apprécie vraiment son goûter malsain. Mais ce n'est pas suffisant. Elle a encore faim. Regarde, ce sont de beaux desserts. Mais elle n'est pas censée les manger. C'est ce délit. Oh non, Nounou est si vilaine. Elle va rendre Ellie si triste. Allez, c'est ton deuxième avertissement. Déjà 3 avertissements. Nounou est tellement tentée. Miam, j'en mangerai qu'un seul. C'est promis, ils ont l'air si délicieux. Le meilleur chocolat du monde. Hein? Eh bien, il y en a plus. Oh non, je ne ferais pas ça si j'étais toi. Voilà, Ellie. Quel gâchis tu as fait, Nounou. Tu as fini tous les chocolats. Et tu as laissé tant de preuves. Oh oh. Des raisins? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec ça? Je sais. Pas question, elle met les raisins à l'intérieur des emballages. C'est des raisins déguisés en chocolat. C'est vraiment mauvais, Nounou. Mais je vais pas mentir, c'est plutôt intelligent. Mes chocolats. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Nounou? Quoi? Rien. Je me détends. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Quoi, mon visage? Oh, j'ai oublié de me nettoyer. Voilà, c'était rien. J'ai juste mangé un fruit. Des fruits? Je préfère manger du chocolat. Bien joué, Nounou. Mais saura-t-elle que ce ne sont pas vraiment ces chocolats? Regarde, c'est mon préféré. Ça a si bon goût. Quoi? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Quel grand soulagement. Les raisins sont toujours sucrés après tout. C'est l'heure du déjeuner. Bonne Nounou a préparé tous ses légumes pour toi. Et n'oublie pas le jus de carotte. Miam. Attends, je peux le faire moi-même. Hein? Ok, alors. Ellie est une fille tellement indépendante. Je vais aller apprendre quelques nouvelles recettes, alors. Oh, quelqu'un est en train de faire des bêtises. Non, tu ne peux pas boire ça. Le soda n'est pas bon pour toi. C'est dommage. De toute façon, j'ai mon Pepsi ici. Tu ne peux pas boire ça non plus. Mon Dieu, mais où trouves-tu ces boissons? C'est vraiment injuste. Mais bon. Quoi? T'as un autre soda caché là-dedans? Non, j'ai dit pas de boisson gazeuse pour toi, jeune fille. Attends. Un Fanta orange et un jus de carotte? Je me demande ce que fait Nounou. Regarde tout ce soda qui part en fumée. Je pense qu'elle vide la bouteille. Ah, je vois. Elle transfère le jus de carotte dans la bouteille de Fanta. Quel génie! Il n'y a aucune chance qu'elle y remarque la différence. Voilà pour toi, le soda que tu voulais boire. Hourra! Merci beaucoup, Nounou. C'est mon préféré. Je vais verser ça pour moi. Bon travail, croisons les doigts. Elle aime ça. Le goût ne la dérange pas du tout. Super astuce, Nounou. Que fait Nounou aujourd'hui? Est-ce qu'elle sort avec une amie? Nounou, je suis prête à partir. Quoi? Qu'est-ce que tu portes? Eh, tu es si rose. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas vraiment sortir en portant ça. Laisse-nous juste un moment. On déteste le rose. Viens ici, on doit changer ta tenue. Quoi? J'arrive pas à croire que ce soit si coloré. Tu n'as pas de noir? C'est quoi ça? Oh, ça fera l'affaire. Mais ça... Tout noir? Tu commences à ressembler à Nounou. Je ne suis pas satisfaite. Oh, j'ai une idée. Qu'est-ce que Nounou est en train de faire? Pauvre t-shirt, je me demande pourquoi Nounou le coupe. C'est vraiment si moche? Oh waouh, elle l'a transformé en crop top! C'est beaucoup de clous en argent. Elle a coupé le jean aussi? Et qu'est-ce qu'elle écrit? C'est des gribouillages! Regardez cette tenue! Tu viens de te transformer en rockstar! Waouh, toi et Nounou êtes jumelles maintenant! C'est parti! Wow, attends! Qu'est-ce qui prend autant de temps? Hein? Voilà! Qu'est-ce que tu penses de sa tenue? J'ai le vertige! Attends, il reste encore une chose! Ce bracelet est très élégant! Moi aussi, j'ai une idée! Du rouge à lèvres noires? Je suis pas sûre que ça convienne à Ellie! Regarde son doux visage innocent! Les choses deviennent sombres! Nounou et son ami sont bonnes pour transformer quelqu'un en rockstar!
C'est parti pour le rock'n'roll. Waouh, vous êtes bien habillés. Encore une chose. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai. La crème solaire est importante quand on va jouer dehors. Tu n'as pas hâte, Ellie? Ok, c'est suffisant pour te protéger des coups de soleil. C'est tellement collant. Quelle gentille fille. Tu es prête à jouer maintenant? Oups, j'ai presque oublié d'apporter ça avec moi. Oh mon Dieu! Oh, quoi? Tu m'as fait peur, nounou. On a failli oublier le chapeau. C'est tout? Je pensais que quelque chose de terrible était arrivé. En parlant de malheur, elle n'a pas l'air d'aimer son chapeau. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh ouais, on y va. Mais non! Ce pauvre chapeau est en train de se faire couper en morceaux. Je crois qu'elle a fait un trou dans son chapeau. De quoi d'autre avons-nous besoin? C'est toujours un chapeau ou c'est un bracelet? Nounou, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Mon chapeau est cassé! Oh mon Dieu! Ellie, petite sournoise! Le trou est trop grand! Je ne peux plus porter ça! On n'a qu'à le jeter! Je vais te trouver un autre chapeau! Ça c'est trop chaud pour l'été! Essayons-en un autre! Un casque? Pas question, je fais pas de vélo! Que va faire Nounou maintenant? Ellie a besoin de se protéger du soleil! Attends, je sais! Voyons comment Nounou va transformer son chemisier en chapeau! Utilise un stylo pour dessiner un cercle parfait! La ficelle a bien aidé! Ensuite, suis les lignes et découpe! Tu y es presque! C'est le moment de coudre! Prépare un élastique et du fil, ainsi qu'une aiguille! Coule l'élastique autour du chapeau pour que ce soit extensible et réglable! Fais attention à tes doigts! Tu ne veux pas les piquer! Ça a l'air plutôt élégant! Joli! C'est presque fini! Ça ressemble vraiment à un chapeau! Tada! Ajoute quelques fleurs dessus aussi! On va l'essayer! Waouh! C'est vraiment joli sur toi, Ellie! Quelle tenue d'été parfaite! Amusez-vous bien, les filles! J'aime vraiment tous mes jouets! Oh oui! La nounou a l'air très occupée. Oh non, attention! Ah, oh, je me suis fait mal au genou! Nounou, tu es là? Ça fait mal! Aide-moi, nounou, aide-moi! Oh, tu vois pas que je suis occupée? J'ai mal au genou! J'ai trébuché! Est-ce que nounou vient de mettre des écouteurs? Et Ellie? Ça ne marche pas! Je dois pleurer plus fort! Nounou! J'ai dit que j'avais besoin d'aide! Oh mon Dieu! Quoi? Qui va t'entendre maintenant? Nounou est si méchante! Je vais mettre le pansement moi-même. Oh, pauvre petite fille. Elle est vraiment déçue par sa nounou. Je peux aller jouer à nouveau! La 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 la! Oh, nounou, tu es incroyablement mauvaise. Ellie et nounou sont à la maison. C'était une chouette virée shopping. Maintenant, il est temps pour moi de jouer! Oh non, attention! Oh mon Dieu, Ellie! C'était une sacrée chute. Est-ce qu'elle va bien? Oh non, c'est un méchant bleu! Vite, nounou! Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Super, les premiers secours! Bon travail, nounou, pour avoir été préparée! Oh-oh! Où est-ce que c'est? Ça! Je pense que ça pourrait marcher. Oh non, c'est vide! Nounou devient folle! Attends, je sais! J'ai quelque chose ici! Hein? Un œuf? En quoi ça va aider? Nounou, qu'est-ce que c'est? Je reviens tout de suite. Où est-ce qu'elle va? Ok, je suis de retour. On va soigner ton bleu. C'est un œuf dur? Oh, je vois, ça aide à soulager l'ecchymose. Waouh, ça fait même pas mal. Bien joué, nounou. Et parce que tu es blessée, tu as droit à une sucette. Yay! Merci, nounou. C'est une bonne idée. Le besoin de faire trébucher les enfants, méchant tapis. Nounou doit être vraiment fatiguée. Nounou! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est le feu? Il n'y a pas de feu, je veux juste regarder ce film. Oh, tu vois pas que j'ai encore sommeil? Allez, nounou, viens, on va regarder. Très bien, laisse-moi voir ça. Hein? Des mignons? On ne regarde pas de dessin animé, pas question. Mais je le veux. Ok, viens ici, je vais te montrer un bon film. Oh oh, j'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Ellie a même apporté son pop-corn. Hein? Qu'est-ce qui va pas avec Ellie? Oh, c'est tellement effrayant! Je peux pas regarder, j'ai trop peur!
arrête de faire ta mauviette. Tu veux plus de ton pop-corn? Je vais le manger. Ça devient émouvant. Même Nounou n'arrive pas à contrôler ses larmes. C'est tellement triste. Hein? Nounou, je veux regarder ce film. S'il te plaît, ce serait la cerise sur le gâteau. Eh bien, comment pouvez-vous résister à ce joli visage? Très bien, viens. Je vais mettre le film pour toi. Yay! Voyons voir. Cette chaîne... Non... Ah, voilà. C'est tellement amusant. Oh oh, ça va, Nounou? Quelqu'un commence à s'endormir. Est-ce que ça va? Oui, 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 je suis réveillée, je suis vraiment réveillée. J'adore ce film. Eh bien, tant qu'Ellie est heureuse.